Une vie, une œuvre. J'ai envie de commencer l'émission de cette manière, au risque de faire un peu rétro. Cher Léon-Paul, nous sommes tes amis. Tu es mort il y a 37 ans, un mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 29. Il est 9h05. Nous voudrions passer un bon moment avec toi. Permets-moi de te présenter tout le monde. D'abord, ceux que tu as connus. Voici André Jacob, qui écrivait tes chroniques dans le Figaro pendant la guerre. À côté, ce monsieur qui a un peu changé mais que tu n'as pas oublié, c'est Louis Jox. Il est devenu ministre entre-temps. Enfin, voici François Perrier, le jeune François Perrier qui venait chez toi. Il dira tes poèmes. Les autres, ce sont tes amis inconnus, comme dirait Supervielle. Celui-ci, c'est un romancier, Jacques Borel. Non, pas comme le fils de Réjeanne, Borel. Il a écrit une étude sur ton œuvre, publiée chez Gallimard. Celui-là, encore un romancier, il porte un joli nom. C'est Jean Plumienne. Il connaît bien ton quartier, le 10e arrondissement. Il a arpenté tes rues et il a retrouvé tes domiciles. À côté, c'est Alain Trutat qui dit quelques phrases et qui fait de la radio avec tant d'invention et de culture. Et voici Peter Wizard, un musicien qui joue la fin de Péléas que tu aimais tant sur un piano droit. Et puis, celui qui se cache un peu derrière, c'est notre réalisateur, Jean-Claude Loiseau. Enfin, voici Judith, avec qui je produis cette émission. Cher Léon-Paul, j'espère qu'elle te plaira. J'ai envie de citer un de tes vers, tu sais, celui qui dit « Sois calme, tout est là comme autrefois, écoute. » Dites Léon-Paul, voilà M. Mercanton qui arrive de Suisse, qui veut vous dire bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Je suis content de vous voir. Vous connaissez monsieur Roland Manuel? Monsieur Mercanton? Bonjour, monsieur. Monsieur Riera? Monsieur Assaut et maître Chambin? Vous arrivez de Suisse? J'arrive de Suisse, oui. Je voudrais profiter de demander à Léon-Paul Fard, quoique ça n'ait rien à faire avec la musique, ce qu'il sait encore de ses relations avec Joyce. Parce que Joyce, que j'ai beaucoup connu, m'a énormément parlé de Léon-Paul Fard jusqu'au dernier moment. Ah, vous avez connu James Joyce? Oui, nous avons été très amis. Très amis, il y a de longues années que je le connaissais. La dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort, il m'a encore demandé si je savais quelque chose. C'était au moment de la guerre et je n'avais aucune nouvelle de Paris. Et il a demandé si j'avais encore des nouvelles, où vous étiez, ce que vous faisiez. Nous étions très liés, en effet. C'est un être prodigieux. Oui, prodigieux. Oh, d'une originalité, on a scrupule d'employer des mots, au fond, qui ne veulent plus dire grand-chose, mais d'un esprit de création extraordinaire. Et d'une matière, enfin de un inventeur, l'inventeur d'une matière verbale que vous connaissez, qui est une chose tout à fait extraordinaire, unique. Il chantait pas mal avec son ami le fameux Sullivan. Mm-hmm. C'est un ami intime aussi. Ah, c'était son ami. Le ténor de l'opéra. Oui, oui. Ah, je l'ai connu. Il aimait beaucoup Sullivan. Je voyais souvent Sullivan chez lui. Vous voyez comme tout nous ramène à. Alors, Joyce chantait d'une petite voix. Sans mouvement du visage, sans mouvement musculaire, il pianotait un petit peu. C'est de la musique d'amis.
Ce qui était épatant aussi, c'est de voir Sévrac au piano au moment où je parle. Ah oui. Oh, il jouait très bien du piano. Très bien. Mais toujours avec cette gaieté. Il chantait pas mal d'ailleurs. Je me rappelle que nous allions au hall, nous allions dans un bistrot d'Auvergnat. Et nous chantions en chœur avec les Auvergnats ce cantique. Je peux vous le chanter si vous voulez, il n'est pas long. Les gens qui sont de l'Auvergne, Nignouña, les gens qui sont de l'Auvergne, Nignouña, ceux-là sont des Auvergnats, Nignouña, ceux-là sont des Auvergnats, Nignouña. Mais ceux qui ne sont pas de l'Auvergne Nignouña, mais ceux qui ne sont pas l'Auvergne Nignouña, ne sont pas des Auvergnats Nignouña, ne sont pas des Auvergnats Nignouña. Il fallait entendre Léona gueuler ça. Et puis alors, tous en chœur, et alors c'était les tournées, les rincettes, les rince-cochons, etc. On allait souper. Oui. Un enfant qui a pour jouet un cerveau prodigieusement cultivé, Paul Valéry. Louis Jox, il est inutile de vous présenter, tout le monde connaît votre nom, mais je rappellerai tout de même que vous avez été ministre du général de Gaulle et ambassadeur. Vous avez fréquenté Fargue dans les années 30. Pourriez-vous me raconter quelques-unes de ces entrevues que vous avez eues à la brasserie Lip, je crois, avec Léon-Paul Fargue? Oui, j'ai connu Léon-Paul Fargue il y a donc longtemps. Je l'ai connu sans faire partie de son cercle d'intimes et de familiers, comme ce fut le cas, par exemple, de mon ami Pierre Bost ou de André Beauclair. Et s'adressant à un garçon jeune, il avait une emprise sur lui par la recherche du mot et de la formule, n'est-ce pas? Vous m'aviez raconté déjà ce mot qu'il avait prononcé au sujet d'un romancier de l'époque. Ah oui, chez Lip d'ailleurs, ce romancier de l'époque avait publié un livre et avait remporté un grand succès de librairie. Il le regardait de loin et m'a dit « Regarde ». Il a l'air d'un réverbère en veau. Magnifique définition, parce que c'est exactement cela, n'est-ce pas? Il était droit, long, solide, et en même temps, il était mou. Quand il fut décoré de la Légion d'honneur, je dis, me voici maintenant avec la roseur de la Légion d'honnête. Nous nous demandâmes ce qu'il pouvait nous dire le jour où il reçut la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Et il eut une réaction digne de lui. Me voilà maintenant parmi les crâneurs de la commensavat. Cet amour du mot et des mots cachait, je crois, une constante de son caractère. L'intérêt qu'il portait à tout, à mon avis. Il me stupéfia un jour chez Lip en me disant, d'une voix unie, quand donc le gouvernement se décidera-t-il à faire de toi un ambassadeur? J'objectais naturellement mon jeune âge, les règlements en vigueur, et considérant d'usage, il restait rêveur, soucieux, et conclut simplement, oui, la France est un pays qui mange ses primeurs en conserve. En somme, il avait un sens de la répartie, et au-delà de ce sens de la répartie, une faculté finalement de faire la synthèse d'une situation à travers sa fantaisie verbale. En y mettant la gaieté nécessaire, et en même temps, je sentais que dans ces cas-là, sa pensée cheminait, s'intéressait au sujet en lui-même.
Oui, c'était pas simplement pour faire de l'effet. Non, non, pas du tout, puisqu'il était là, non, face de l'autre. Oui. Oui, lorsque vous le rencontriez dans les années 30, vous étiez très jeune. Quelle attitude avait-il à votre égard? Est-ce qu'il était un peu protecteur ou paternel? Oh, très jeune, je n'étais pas très jeune, parce que je sortais de l'agrégation depuis quelques années. Mais il est évident que je n'avais pas beaucoup d'expérience, ni même de vraie culture. Mais ce qui m'a frappé, justement, c'est que lorsqu'il engageait une conversation avec un homme qu'il ne connaissait pas beaucoup, il n'éprouvait pas le besoin de plastronner, de faire de l'effet. Il était absolument, nous étions sur le même plan, et il ne cherchait pas du tout à impressionner. Mais il cherchait, l'être. Entre la masse basaltique d'un Claudel et les pures cristallisations d'un Valéry, il y eut un soir et à la ville, en lieu fiévreux et féerique, ce déroulement soudain d'une crosse de fougère ivre, ce dépliement soudain, comme d'une aile de névroptère séchant au feu des lampes son fin lacis de gaz verte. Un pur faisceau de nervosisme se nouait là, et le poète encore fut appelé par son nom. Transparence d'une heure et vibration d'un soir, tant de nuits consumées sur sa cendre dorante, tant de luxe dissipé à la flamme du jour, et cette patience à l'aube renouée, et cette tendresse au soir liée d'une âme délinquante et fière. Sur la ferronnerie légère et timbrée d'or d'un vieux quartier de ville qui s'éclaire, la poésie encore berçait son frissonnement d'exil, comme un aigle sur un balcon de femmes et d'étrangères. Saint John Perse. Il cherchait l'être. La vie n'était pas bonne, mais elle était belle. Ta jeunesse, la rue, ta chambre tout en haut, les sons d'un piano sous un coin de toit bleu de neige. Ah, les fonctions marchaient bien à ce moment-là. Souviens-toi des amis, des longues promenades, souviens-toi des boulevards. Souviens-toi des putains. Souviens-toi des fumées des trains éclairés en dessous par la locomotive. Il était un ménage. Sa vie, ses gaietés, son enfant, l'odeur de son intimité, la fenêtre ouverte au soleil. Ils ont été dans le vent des rues, flairer la gare et le chantier. Des amis à leur table, heureux à l'heure du café, leur retour du travail, l'heure de leur toilette avec leurs savons amandes, leur voix dans les chambres qui s'appellent, leurs pauvres yeux, leurs humbles gestes. Ils longeaient doucement la vie, dans la tristesse et dans la honte et dans la joie, chacun avec ses maladies, la mère affligée, le père déçu, le fils et la fille, on ne sait où. Tout ça, mort. Il n'y a qu'une chose qui vaille la peine d'être cherchée, d'être gagnée, d'être perdue, d'être oubliée, d'être retrouvée dans cette ordure précieuse. C'est cette larme que je regrette. Je demande à recommencer. Je demande à Dieu. Ne fais pas la mouche du coche. Ne fais pas le chouchou de Dieu. Qui donc a parlé de commencement et de fin? Place Léon-Paul Fargue, le François Copé, Jacques Borel. Je crois qu'il y a deux choses à dire. Et je crois que c'est dans banalité ou dans sous la lampe. Il y a d'abord tout un recueil d'aphorismes, presque. C'est familier, peut-être, oui. Et une condamnation absolue de ce que l'on a, disons, depuis appelé la théorie ou parfois l'intellectualisme. Et où il dit l'artiste contient presque toujours l'intellectuel, le contraire est rarement vrai.
J'y souscris entièrement. Vous avez parlé de désespoir, mais c'est un sentiment désespéré. Jean Starobinski, dans son étude sur la nostalgie, rappelle cela. Il dit que c'est une forme de mélancolie toute proche de la mort et qu'elle apparaissait chez les Suisses, chez les gardes suisses au service des rois de France, qui étaient pris de nostalgie, alors un sens très profond, si bien qu'on ne pouvait pas jouer le Hans des Vaches parce que certains se suicidaient. Oui, et vous me faites aussi penser alors hein, que d'étage à la nostalgie, que le dernier des hymnes à la nuit de Novalis s'appelle « Nostalgie de la mort ». Oui, et les deux admirables poèmes traités à la fois sur le même thème par Sainte Thérèse d'Avila et par Saint Jean de la Croix, c'est tout de même « Je meurs de ne pas mourir ». Alors la nostalgie, on pourrait presque aussi parler de ce que l'on appelait jadis, sans mettre de guillemets, l'âme. Je crois que c'est un être profondément blessé et blessé dès l'origine. Et je crois qu'on ne s'en remet pas. Et que ça, c'est le vrai Fargue. Et que quand il se met à faire ses grandes créations langagières, ces espèces de tohu-bohu de l'imaginaire, il rue, mais c'est une espèce d'exorcisme contre ce mal qui n'a jamais guéri. Il y a un enfant éternel. Son cœur, c'est son chef-d'œuvre. Point de confession. Il ne se déculotte pas le cœur comme Jean-Jacques ou... Mais le mot tendre fait l'unité de tous ses poèmes. Ce qu'il y a de meilleur dans cet homme, c'est l'enfant. René Guilleret. Mes souvenirs, je les tiens. Je n'ai rien dit. La nuit est belle. Pourquoi se sert-il ? N'aime-t-il plus comme autrefois les grands espaces qui arrivent ? De chères voix vont de la cave au paradis. L'heure éloignée sonne d'une voix naine. Sous la lumière basse du soir, derrière une palissade, on prononce à mi-voix des noms de choses vivantes et mortes. Et je revois les yeux lointains de ceux qui pleurent mes fautes. Et je revois dans un vaste éclair de chaleur, comme un secret qu'on laisse échapper, la grande figure affreusement blessée de quelqu'un qui m'aime. Sache souffrir, mais ne dis rien qui puisse troubler la souffrance des autres, rien qui puisse les distraire, rien qui fasse qu'ils se retournent sur la route crépusculaire, rien qui les accroche un instant sur l'immense courant chantant qui les entraîne vers la chute. Un soir, j'avais trouvé, il me semble que j'avais trouvé une chose pour être heureux. J'y pensais dans une rue noire et grasse, à la rampe infinie de lampadaires, et tel qu'un grand rire silencieux et sombre, aux vitres d'un bal, une musique d'étoiles filantes. Par instants, des accords brillaient plus fort, mais on les cachait pour que je fusse seul encore, et la mort y passait sa figure de trèfle, et j'en caressais mon rêve. La poésie de Fargue, qui n'est pas suffisamment lue aujourd'hui, est une poésie de très grande valeur et qu'on peut placer au premier rang parmi les poètes du XXe siècle. Saint John Peirce, dans sa préface aux poésies de Fargue, dit très justement, à mon sens, qu'il n'est pas de plus ou moins grands poètes, mais des purs poètes. Et que Fargue fait partie de ceux-là. Je crois que la valeur de sa poésie tient à plusieurs aspects. D'une part, à la musicalité qui se dégage de cette poésie, et ensuite aux images que l'on trouve dans ses poèmes. Pour ce qui est de la musicalité, je dirais que elle se manifeste
à mes yeux surtout dans le poème en prose de Fargue, et je pense en particulier au recueil qui porte le titre de « Poème ». Ce recueil qui n'est pas le premier de Fargue, mais qui se situe au début du siècle, au début du XXe siècle. Et dans cette prose poétique, dans cette poésie en prose, il a su tirer de la langue française des accords tout à fait nouveaux, un rythme qui me paraît tout à fait inouï. Cette prose se caractérise par une phrase très mélodieuse, une phrase en général assez courte, avec un mouvement très particulier, qui n'est qu'à lui, qui se manifeste en particulier par un art de ce qu'on pourrait appeler la petite période, c'est-à-dire que la phrase commence tout juste à s'enfler, mais qu'elle s'enfle à peine, que souvent elle s'interrompt et se reprend par des incises, et surtout qu'elle résonne très longtemps, qu'il a su faire résonner sa petite phrase par une clausule qui est une ouverture. Je pense en particulier à cet usage d'un signe de ponctuation qu'il a introduit dans la ponctuation française et qui n'a pas été repris d'ailleurs après lui, c'est les deux points de suspension au lieu des trois points. Hein, ce qui fait que sa petite phrase qui s'interrompt, qui se suspend doucement sur cette ponctuation n'est pas en même temps fermée, n'est-ce pas, sur elle-même. Elle reste en même temps ouverte et elle résonne vers la phrase suivante, ce qui tisse tout un ensemble de phrases très mélodieuses dans le poème en prose. On ne peut plus écrire azur sans rougir. J'allume pour nous deux les lampes. Une parole heureuse, un visage de femme, une fenêtre brûlante, des voix connues passent et se brisent. Ah, je voudrais serrer tous les souvenirs sur ma poitrine en bouquet pour te les offrir. Mais ils sont lointains comme des signaux, signaux du soir, avec leur douceur menaçante, fanaux des trains et des bateaux qui ont toujours ce regard triste, signaux d'amour, tendres et fins comme des cœurs à la fenêtre, signaux du ciel un peu perdus, comme des fleurs dans un champ d'ombre. De beaux accords plans se recouvrent, la mer qui remonte. Un rayon de Chopin m'arrive et fait la lumière où je veux m'étendre sans plus rien dire, avec un ami qui sache tout de moi-même, qui me reproche tout et qui me pardonne. À cette époque-là, n'est-ce pas, il y avait deux concerts le dimanche, il y avait l'amoureux, il y avait Colonne, puis en semaine, il y avait quelquefois deux ou trois concerts de musique de chambre. Et des particuliers. Oui. Madame Untel donnait une sainte, madame. Oui. Je ne sais plus comment elle s'appelait, enfin je retrouverai les noms. Deux ou trois concerts de musique de chambre par semaine.
Je m'arrangeais toujours pour m'y fourrer. J'arrivais à y entrer. Je disais quelque chose, enfin j'arrivais à entrer. Il ne fallait plus me perdre après ça. Il y a eu la nationale. Alors c'est là que vous avez entendu la musique de Debussy pour la première fois. La première fois, l'équateur. L'équateur, c'était l'équateur Isaïe, hein. Oui. Alors, dès les premières mesures, j'ai compris que j'ai senti la patte du lion. Ah. Et un jour, dans ses bureaux du centre, qui était au 10 de la rue des Beaux-Arts, Debussy est arrivé avec Pierre-Louis. Reprise de contact avec Debussy. Il y avait dans l'appartement où nous l'avions installé nos bureaux, rue des Beaux-Arts, une pièce du fond où il y avait un piano, un vieux piano droit, avec des appliques extraordinaires, des appliques d'un luxe bizarre, avec des ailes aiguës. Et un jour, il s'est mis au piano. Il nous a joué ce qu'il avait déjà composé de PVA. C'était la fin. C'est le dernier acte. Léopold, écoute ça. Tout a suivi, alors, n'est-ce pas ? Alors nous avons emmené de l'âge qui ne connaissait pas beaucoup de musique moderne, autant dire pas du tout, nous l'avons emmené à Péléas. En sortant de là, il était transverbéré. Il m'a dit, ah, ça c'est torché. Alors on allait chez Sardes, qui à cette époque-là habitait rue du Longue. On se réunissait à 5 ou 6. Alors là, venait Ravel, Schmitt, Engelbrecht, Rigardeau. C'est lui qui a trouvé l'expression, les Apaches. Oui, c'est lui. C'est Rigardeau, Vignes qui a trouvé l'expression. Vous vous rappelez comment ? Non, je ne me rappelle pas. Ah ben moi, je me souviens bien. Comment est-ce que ça s'est passé ? Je me souviens bien. Un jour que vous sortiez d'un concert, un crieur de journaux vous bouscule tous en disant « Attention les Apaches !» Le point, l'air de ralliement le début de la seconde qu'on chantait. Oui, c'est ça. Alors quand on allait le chercher, on sifflait sous les fenêtres, alors l'Apache ouvrait sa fenêtre et on disait. Claude Debussy, Ricardo Vignes, Poisson d'or.
le Fargue qui écrit en vers à peu près régulier me paraît très méconnu. Bien que, sans doute, tout le monde s'accorderait à dire que Gare de la douleur ou le dernier poème de banalité postface sont d'admirables poèmes, il y a un traitement de l'alexandrin pour lequel il ne faudrait pas employer le mot élégiaque dans un sens péjoratif, car il y a un sens justement de la mélodie que la poésie récuse depuis pas mal de temps, depuis le surréalisme en particulier, mais qui est quand même une des constantes de la poésie française qu'on trouve dans Apollinaire. Cette Gare de la douleur, je crois qu'elle est assez liée aussi à des gares parisiennes, c'est peut-être un assez bon exemple, sans l'être vraiment. Hein? C'est sûrement, bon, peut-être la gare de l'Est, la gare du Nord, hein, les quartiers, oui, oui, c'est-à-dire celle, oui, sur le quai, de laquelle reste toujours Fargue. Oui, et on l'imagine assez, je crois qu'il est mort avant, allant faire cette espèce de pèlerinage qu'ont fait certains autres poètes morts aussi, je crois, à la gare Saint-Lazare, lors du dernier voyage des dernières machines à vapeur. Et ça, j'imagine très bien Fargue faisant cette espèce de pèlerinage. La gare. Gare de la douleur, j'ai fait toutes tes routes. Je ne peux plus aller, je ne peux plus partir. J'ai traîné sous tes ciels, j'ai crié sous tes voûtes. Je me tends vers le jour où j'en verrai sortir le masque sans regard qui roule à ma rencontre sur le crassier livide où je rampe vers lui quand le convoi des jours qui brûle ses décombres crachera son repas d'ombre pour d'autres ombres dans les tables de fer où rumine la nuit. Ville de fiel, orgue brumeuse sous l'abside où les jouets divins s'entr'ouvrent pour nous voir, je n'entends plus gronder dans ton gouffre l'espoir que me soufflaient tes cœurs, que me traçaient tes signes à l'heure où les maisons s'allument pour le soir. De l'aube qui demain vendra ses madeleines sur un quai somnolent ou mouillé de rosée dans le bruit du tambour, dans le bruit de la mer. J'ai longé tout un soir tes grands trains méditants, triangles vigilants, braises, bielles, couplets, sifflets doux, percements lointains de courtillères, cagoules qui clignaient bassement par vos fentes, avec deux passants noirs penchés sur la rambarde au-dessus du fourni du pont de la chapelle, où le guerrier déchu qui promène les hommes encrasse son panache avec un bruit de chaîne et le grand disque vert de la rue de Gessin, gare de ma jeunesse, et de ma solitude que l'orage parfois saluait longuement, j'aurais longtemps connu tes regards et tes rampes, tes bâillements trempés, tes cris froids, tes attentes. J'ai suivi tes passants, j'ai doublé tes départs, debout contre un pilier, j'en aurais pris ma part, au moment de buter au heurtoir de l'impasse, à l'heure qu'il faudra renverser la vapeur et que j'embrasserai sur sa bouche carrée le masque ardent et dur qui prendra mon empreinte dans le long cri d'adieu de tes portes fermées. Au-dessus de tout, à côté de Charles-Louis-Philippe, de la musique de Debussy, Fargue plaçait son canal Saint-Martin. Jacques Porel. Cette description de Charles-Louis-Philippe sur son lit de mort. Léoto,
Alors je passe au matin, il dit ça, allez-y. Je m'appelle Philippe, il dit moi je veux y aller. Je parlerai au nom de la maison puisque je vais au matin. Alors on a donné sur place au matin un mauvais renseignement pour le train. On l'a foutu dedans. C'est ça. Nous prenons une voiture, nous allons à la gare de Lyon, il n'y avait plus de train. Ils sont foutus pour l'enterrement. Alors, moi qui suis obstiné, surtout quand ça commence à ne pas se pouvoir, quand une chose devient impossible, devient têtue, il me la faut absolument. Je me suis débattu comme un brouillard dans la gare nocturne de PLM. Enfin, on a fini par aller écouter. Allez trouver l'ingénieur de service. Eh bien, je l'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé l'ingénieur de service. Je l'ai harangué, je lui ai fait un laïus. Passionné, pathétique et désespéré. Il a été chien. Il nous a dit, allez-y à moi, ben, je vois bien qu'il faut que je m'occupe de vous. Oh. Il était ému cet homme, il était un très bien. Le technicien, je ne sais quoi. Il dit, voilà ce que je peux faire. En effet, il n'y a plus de train. Et on ne peut pas prêter un train spécial, c'est plus possible à ce temps-ci. Mais il y a un train de marchandises. Il y a un train de marchandises, pas trop lent, qui part de la gare à telle heure. Je vais vous faire atteler un wagon au train de marchandises. Vous le prendrez, vous arriverez à temps. Il a calculé les heures. Il m'a dit, vous devez arriver à temps à Moulin. Il est arrivé. Alors on a sorti un wagon de première extraordinaire. Une équipe d'employés de la gare a commencé à nettoyer, à laver avec des fourbères, pas bien approprié, ça sentait le vieux wagon et la fumée des crassés. Nous sommes montés là-dedans, là, vous voyez, toute la nuit, là, on est là-dedans. On s'arrêtait, on entendait des noms extraordinaires de gare. Birloflé ! Il fallait des noms, des halles, on s'arrêtait partout, parce que la salle marchandise. Immense, ces trains, dont Jules Renard, les voyant passer, disait, ben, celui-là, il en avait une envie. Puis le matin, nous sommes arrivés à Moulin, enfin, assez tôt, mais comment aller à Sérigny, impossible de trouver une voiture. Enfin, ça, nous allons rechercher sans bien, nous avons dégoté un taxi extraordinaire, un monstre, qui nous a amenés au cimetière de Sérigny au moment où la cérémonie finissait. On venait de le mettre dans le trou. Il y avait Larbeau, il y avait Gilles, il y avait Copeau, il y avait Guéron, etc. Puis nous sommes allés à l'heure déjeuner. Nous sommes allés déjeuner à l'hôtel de Sérigny, le principal hôtel de Sérigny, où il y a un maire adjoint qui a prononcé quelques paroles, enfin, je ne sais quoi. Et puis nous sommes séparés, Gilles est rentré à Paris. Copeau est resté encore une journée, et moi je suis parti avec Larbeau. Alors bon, nous sommes allés ensemble chez lui à Michel. Si j'avais à me contenter d'un mot, je dirais que Fargue est le poète de la mélancolie des villes. Francis de Miomandre. Jean Plumienne. On a le sentiment, à lire Fargue, à s'intéresser à ses,
à ses adresses, à ses appartements successifs et à tous ces textes qu'il a consacrés à Paris, on a le sentiment d'une attirance pour un certain type de quartier, pour un certain type de lieu parisien, dont le 10e arrondissement est probablement l'expression la plus achevée, et qui est ce qu'on pourrait appeler la banalité parisienne. Mais ce qui est singulier aussi, c'est que, à propos de ce 10e arrondissement qui est son quartier, il a déménagé avec ses parents de multiples fois, mais tout en restant dans un périmètre très restreint. C'est exact. Dunkerque, à la rue du Château-Landon, etc. C'est vrai. Et c'est en effet quelque chose de tout à fait extraordinaire pour nous, mais qui semble l'avoir beaucoup moins été voici quelques dizaines d'années. Nous voyons en effet Fargue passer du boulevard Magenta, enfin les Fargues passer du boulevard Magenta à la rue de Dunkerque, puis à la rue, attendez, laissez-moi trouver la rue, voilà, la rue de Saint-Quentin, oui. Et finalement aboutir à cette rue, à ce faubourg Saint-Martin. Ça, c'est devant la gare du Nord. La rue de Dunkerque. Alors la rue de Dunkerque est la rue qui passe devant la gare du Nord. Oui. La rue de Saint-Quentin est perpendiculaire à la rue de Dunkerque et le boulevard Magenta. Enfin, coupe les deux rues. Bon, alors d'ailleurs, disons au passage, précisons peut-être que le logement du boulevard Magenta était face au grand marché Saint-Quentin, que vous situez sans doute, qui est un superbe marché couvert, qui a été récemment réhabilité, qui est un très bel endroit. Donc les Fargues habitaient là. Alors, nous les voyons, en effet, comme vous disiez, se déplacer de lieu en lieu, autour d'un même centre de gravité, comme s'il voulait absolument se rapprocher d'un épicentre qui serait le lieu idéal d'habitation. D'ailleurs, ils ont réussi leur coup, si je puis dire, puisque, effectivement, ils ont trouvé, en définitive, cette maison où on... Cet atelier du faubourg Saint-Martin, où le père de Fargue a fabriqué les céramiques de la brasserie Lippe. Bon. Et puis alors, ensuite, il y a eu la rue de Château-Landon, là, avec la mère, la mort du père, il a vécu là-bas avec sa mère. Exact. Et alors ensuite, là, il quitte le quartier. Alors ensuite, là, il y a un moment très difficile, on a l'impression d'une sorte d'errance... C'était à la fin des années 20, ça. Oui, je dirais que c'était dans les années 30. Début des années 30. Oui, oui. Ensuite, il s'est installé dans des hôtels. Et il a pratiqué, si je puis dire, le culte des hôtels, comme avait fait Stendhal en son temps. Et puis, là, il y a eu un séjour assez long à Saint-Germain, alors, de la rue de Bussy. Oui, alors, rue de Bussy, enfin, c'est-à-dire que les hôtels en question étaient l'hôtel Acropolis, l'hôtel Palace, sont des hôtels disparus maintenant, qui étaient tout près de Saint-Germain-des-Prés. Et Fargue, à ce moment-là, était un pilier, comme on dit, de la brasserie Lippe, oui, que je ne fréquente pas. Je n'ai jamais déménagé sans un grand chagrin. Je me sentais déjà chassé, poussé sans retour d'image en image. Si peu que nous fussions restés dans un appartement, je m'en arrachais avec peine. J'embrassais longuement les murs. Quand la pauvre mère Jeanne nous a quittés, j'ai gardé de vieux vêtements qu'elle avait laissés et je les ai pressés bien souvent sur mon cœur. Les hommes s'en vont, les objets s'en vont, les murs dégarnis deviennent semblables un visage sans traits. Les visages se fondent dans l'espace. Nous qui sommes venus du fond des âges, à travers tant de formes ténébreuses, quittées l'une après l'autre, et que nous avons laissées mourir seules, que nous restera-t-il à notre tour, quand il faudra glisser par la fente invisible, et cherchant nos maisons futures, descendre ou monter pour toujours. Bon, alors, si vous deviez, par exemple, être le guide d'un circuit farguien dans Paris, est-ce que vous partiriez du 10e arrondissement ? Non, quand même pas. Je partirais, enfin, de la maison natale de Fargue, qui est rue Coquillère, qui est une rue qui existe toujours, bien qu'elle soit un peu en difficulté. La rue Coquillère est une rue qui est située dans les Halles, et alors elle est devant ce trou, n'est-ce pas ?
Et son appartement natal est toujours là, facile à repérer, facile à voir, au-dessus de... qui est dans le même immeuble qu'un restaurateur important, un traiteur, plus exactement, il s'appelle Battendier. Battendier, oui. Bon, mais Fargue, donc est né dans ce... Six rues Coquillères, c'est ça. Bon, alors Fargue est né là. Ça, c'est le Paris de Nerval. Alors, aussi, c'est le Paris de Nerval. D'ailleurs, j'aime beaucoup vous entendre nommer Nerval à propos de Fargue, si je peux me permettre une sorte de digression comme ça. Il y a un certain rapport entre Nerval et Fargue. Un rapport difficile à définir, difficile à préciser, mais qui existe. Il y a chez ces deux auteurs un même noctambulisme, un même parisianisme, au sens que j'essayais de suggérer. D'un Paris populaire et mystérieux aussi. Mystérieux. Populaire et pas populiste. Ça n'est pas le Paris d'Eugène Dabi. Ça n'est pas le Paris Hôtel du Nord, ça n'est pas un Paris révolutionnaire, non. C'est un Paris populaire. Attention, vous renversez les cacahuètes. Dans certains textes poétiques de Fargue, par exemple, dans les poèmes, ces textes, disons, pas de jeunesse, mais enfin, ces premiers textes poétiques, il y a une description de la ville, une perception de la ville un peu impressionniste, comme ça, oui, par petites touches, oui, mais qui est une ville qui est vraiment à la porte de la campagne ou qui est presque parfois une campagne. Oui. Mais oui, mais toute la ville est là. Mais tout le charme de Paris est là. C'est-à-dire que le charme de Paris est que précisément, ça n'est pas une ville de béton. La nature, en effet, n'est pas très loin. Elle est toujours là. À vrai dire, qu'est-ce que nous trouvons charmant dans Paris ? Et Fargue serait bien entendu de notre avis. Ce que nous cherchons à Paris, ce sont des petits jardins, des cours, des arbres, des choses qui sont comme une sorte de rappel de la nature au sein même de la civilisation. Et c'est ça qui est une ville, n'est-ce pas ? Oui, finalement, c'est ce que vous dites d'ailleurs à propos du Faubourg Saint-Martin. Oui. Alors, ça, il faudrait en dire quelques mots du Faubourg Saint-Martin. Le Faubourg Saint-Martin est la rivière farguienne par excellence. Et en réalité, de tous les lieux habités par les parents de Fargue et par Fargue lui-même, le plus magique est probablement cette fameuse maison aujourd'hui disparue qui se trouvait Faubourg Saint-Martin entre la gare de l'Est et le canal Saint-Martin. Voilà la gare de l'Est. Alors j'ai le plan là sous les yeux que vous voyez avec moi. On voit très bien et sur place on voit très bien le site de cette maison. Alors la maison n'existe malheureusement plus. À la suite de travaux d'extension, d'aménagement du quartier effectué par la SNCF dans les années 20. Vous voyez, ça remonte à très longtemps. Mais enfin, le site est toujours là. Il avait déjà déménagé. Et voilà. Oui. Et le site est quand même toujours là. Et lorsque nous y sommes, nous avons d'un côté la gare avec les trains qu'on voit très bien depuis le Faubourg Saint-Martin. C'est curieux, on voit les trains qui sont là de plein pied, en somme, et qu'on voit partir. C'est la gare de la douleur. Voilà, bien entendu, il y a ce célèbre poème de Fargue, bien sûr. Et on voit en même temps, ou du moins on devine, un peu plus loin de l'autre côté, le canal Saint-Martin, dont Fargue est le chantre professionnel. Oui, entre le canal Saint-Martin et cette rue, il y a aussi un hôpital, non, là ? Oui, il y a en effet un hôpital militaire qui s'appelle l'hôpital Villemain, qui en fait est un vieux bâtiment monarchique, ça devait être un monastère ou je ne sais plus quoi exactement. C'est un très beau bâtiment, mais qui est en ruine. La plupart des lieux parisiens hantés et poétisés par Fargue sont des lieux à la fois détruits, abolis par ce qu'on pourrait appeler le progrès, la modernité, enfin appelez ça comme vous voulez, et en même temps parfaitement conservés dans leur atmosphère et dans leur style général.
cette région très particulière située entre Gare de l'Est et Faubourg Saint-Martin est une zone en apparence totalement dépourvue d'intérêt parce que y ont été construits des immeubles structuralistes en béton incolore. Mais néanmoins, lorsqu'on est là, on entend les trains qui partent et on voit, on devine et on pressent ce canal Saint-Martin. Et on voit passer des péniches encore. Et on voit passer les péniches. Et on entend les écluses. Et on entend tout ça. Donc, tout est, rien n'est plus et tout est là. J'entre alors en transe. Tout le feu divin de l'homme et les sonneries secrètes qu'il entretient avec le paradis jaillissent hors de ma sensibilité indignée. Ainsi, je ne suis que la lettre F dans l'alphabet des mondes. Je ne suis qu'un trou d'aiguille dans l'entrepôt des encyclopédies. Malheur, malheur de vivre. Tandis que je piétine sur mon tapis d'hôtel, prenant mon élan pour jeter deux morceaux de sucre dans mon café au lait, tout a lieu, au même instant, tout devient, tout fleurit. Tout meurt. Le passé, le présent et l'avenir se marient en des noces de perles. Les journaux, les femmes du monde nues et moites, les accordéons de faubourg, le conseil des ministres, la mer et ses turbos exquis comme des reins de jeunes filles, la semence vertigineuse des Michelines, la Sorbonne, le musée des offices, la cordillère des Andes, la mort de Ravel, les micros de Léon Bérard, Valérie et Claudel, la voix de Frédéric Lefebvre et l'encore des demoiselles de cinéma, la Providence, le turf, le vol à la tire, le pot-au-feu, la séborée sèche des loups de mer, l'âme des autres, la couture, la crainte du coup de pied de Vénus, vous et moi, eux et moi, Paris et moi, toutes et moi. C'est vrai et c'est effrayant. Tout cela existe en même temps. Et je suis condamné à une vie unique. Je suis sommé de ne glisser jusqu'au petit jour que sur un seul rail. Nous n'avons qu'une vie, mes frères. Une seule destinée, chacun de nous est exclu de la ruche par quelque endroit, et celui qui enlève de nuit la plus riche des Péruviennes ne découvrira pas sur le quai cette carte du ciel qui faisait rêver Louis Barthou. On ne peut être à la fois Dante et Shakespeare, cheval d'Auteuil et reine des prés. Pourtant, l'envie d'être tourbillon s'engouffre en moi. Fargue était un homme assez corpulent, qui avait un visage un petit peu blafard, un peu rond, mais blafard blanc. C'était un homme de la nuit, ça c'est indiscutable, ça se voyait. Il avait toujours une cigarette aux lèvres, et puis il traînait un peu les pieds en marchant, et il était toujours, il faut bien le dire, assez curieusement fagoté. C'est-à-dire qu'il avait de bons costumes, seulement il ne les ménageait pas, et il s'en foutait un peu. Et puis, malheureusement, non heureusement, parce que les instants que j'ai passés près de lui sont des grands souvenirs, mais pendant sa maladie qui était longue et douloureuse, et dont il souffrait beaucoup, mais on ne s'en apercevait absolument pas. Il en riait, il se moquait de lui-même. S'il fumait dans son lit, et souvent les visiteurs qui venaient le voir s'inquiétaient de l'incendie possible. Et il disait... Oui, vous avez raison, ce serait bête de se faire incinérer de son vivant. Mais c'était un homme comme ça, il était essentiellement drôle tout le temps. Il y a une réplique absolument sublime un jour d'été où, à la brasserie Lip, où il était tout le temps fourré, dont son père d'ailleurs avait fait les mosaïques qu'on peut toujours voir et qui sont signées Fargue. Et un jour, c'était un jour d'été, il faisait très chaud. Il faut se reporter avant la guerre de 39. Il est bien évident qu'on s'habillait d'une façon beaucoup plus sévère et stricte qu'aujourd'hui. Et même en été, chez Lip, on ne retirait pas sa cravate. Et a fortiori, son veston. Il faisait vraiment très chaud. Et Léopold Fargue, qui a toujours été un peu débraillé et négligé, avait retiré sa veste et avait défait sa cravate. Et le père Case vient le trouver... Et lui dit, Monsieur Fargue, si vous étiez chez Maxime, est-ce que vous feriez ça? Il dit, oh non,
Sûrement pas. Parce qu'il dit, je les connais là-bas. Si je faisais ça, il me dirait, ah non, si vous voulez faire des trucs comme ça, allez chez Lip. Tu te souviens ? Humainement parlant, ce qui me paraît merveilleux chez un garçon du genre de Fargue, et qui fait que j'aurais aimé le connaître, le fréquenter, c'est l'extraordinaire disponibilité du personnage. Bon, alors là, il fait naturellement partie de la disponibilité d'arriver en retard. Parce que quand on est disponible, on est forcément en retard. Étant donné qu'on est disponible pour quelqu'un, donc on est en retard pour quelqu'un d'autre. Donc le retard de Fargue n'est pas du tout une coquetterie de snob, c'est une disponibilité. C'est une forme de générosité. Mais bien entendu, c'est une ultra-disponibilité. C'est-à-dire qu'il arrivait en retard chez la comtesse ou la duchesse ou la je ne sais quoi de Polignac, parce qu'il allait voir avant la blanchisseuse qui avait perdu sa fille. Hein? Donc c'est ça. Et puis il était disponible pour lui-même, c'est-à-dire qu'il prenait son temps. En somme, il n'était pas pressé. Il y a un autre trait humain dont vous m'aviez parlé aussi. C'est vrai. Il me semble que Fargue était un homme plein d'une qualité que j'appellerais tout simplement la bonté. Cet homme était bon. Je t'ai cherché. Je t'ai porté partout. Dans un square désert au kiosque vide où j'étais seul. Oh oui, c'est tellement beau. Le bruit des pas qui se heurtaient et se trompaient, c'est fantastique. Là. On les entend. Hein? Je reprends le tout. Vous couperez où vous voudrez. Où est-ce qu'il y a à boire ? Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur Fargue ? Oh, j'en sais rien, mon vieux Léonard. T'as pas une idée ? Non, monsieur Fargue, mais vous avez le temps de réfléchir. Tu me donneras un petit vin blanc dans un quart d'heure ? En attendant, laisse-moi admirer les dames et les prostituées du quartier qui se mêlent sur le trottoir sans échanger le moindre coup d'œil. C'est un des plaisirs de la vie. Il y en a d'autres. D'autres quoi ? D'autres plaisirs ? Peut-être, mais pas beaucoup. Il y a, par exemple, celui de voir crever dans un ragoût de douleur ceux qui se sont foutus de vous. On vous a marché sur les pieds ce soir, monsieur Fargue ? Non. Sur l'âme. Ah, ça fait plus mal. Et pour toi, Léonard, c'est quoi les plaisirs de la vie ? Oh, c'est pas compliqué, monsieur Fargue. L'argent. Et beaucoup. Parbleu. Tu demandes le bonheur des bonheurs. Donne-moi seulement tes économies, tiens. Et on enlèvera ses chaussures avant d'entrer chez moi, comme sur le seuil d'une mosquée. Dieu lui-même, assis sur son nuage, me montrera au sien de son doigt fameux et dira « Voilà Fargue qui passe ». C'est un bon bougre. C'était quoi ? Qu'est-ce que t'as bu ? Il a forgé des mots absolument extraordinaires, Fargue. Il a inventé des noms d'insectes et de bêtes préhistoriques. Avant Michaud, quand même, ça, je crois, il faut le dire, il faut le souligner. Il y a une invention verbale prodigieuse, il y a un côté Rabelais. Dans certains textes, c'est un Rabelais mélancolique, mais il y a cela. Il y a un mot qui m'avait beaucoup frappé, je ne sais plus dans quel texte il se trouve, c'est le mot « prudeur ». Je crois que c'est un mélange de pudeur et de prudence, comme s'il ne voulait jamais trop céder non plus à une certaine pente en lui. Je crois que ses rapports avec le passé, ce passé dont il se nourrit et qu'il heurte à tout moment, sont en fait très très ambigus. Je crois que c'est quelqu'un qui a une espèce de peur, de recul, presque d'effroi à certains moments devant la vie. Alors on parle beaucoup du piéton de Paris, ça c'est vrai, mais il me semble que c'est un côté un petit peu anecdotique, un petit peu mineur. Ce n'est pas pas du tout, en piéton curieux, et en tout cas pas du pittoresque que Fargue se promène, sauf dans certaines chroniques peut-être. Ce sont les lieux qui demeurent hantés pour lui, et tout vivant d'une présence perdue. Il parle déjà de son hypersensibilité d'enfant.
Et il est resté attaché à tout cela. Et donc ses promenades dans Paris sont dans le Paris de Fargue. Et non seulement dans le Paris de Fargue, mais dans le Paris de cette enfance, avec l'ombre du père. L'expression revient plusieurs fois chez lui, dans un poème et dans deux textes en prose, le père en permission de la mort. Ah, je vous vois, mes aimés. Mon père, je te vois. Je te verrai toujours étendu sur ton lit, juste et pur devant le maître, comme au temps de ta jeunesse. Sage comme la barque amarrée dans le port, voile carguée, fanaux éteints, avec ton sourire mystérieux, contraint, à jamais fixé, fier de ton secret, relevé de tout ton labeur, en proie à toutes les mains des lumières droites et durcies dans le plein jour, grisé par l'odeur de martyr des cierges, avec les fleurs qu'on avait coupées pour toi sur la terrasse, tandis qu'une chanson de pauvre pleurait par-dessus le toit des ateliers dans une cour, que le bruit des pas pressés se heurtait et se trompait de toutes parts, et que les tambours de la mort ouvraient et fermaient les portes. Je t'ai cherché, je t'ai porté partout. Dans un square désert au kiosque vide où j'étais seul, devant la grille du couchant qui sombre et s'éteint comme un vaisseau qui brûle derrière les arbres. Un jour, dans quelque ville de province aux yeux mi-clos qui tourne et s'éteint, devant la caresse hâtive des express, dans une boutique où bouge d'un air boudeur des figures de cendre, sur la place vide où souffle l'oubli, aux rides des rues, aux cris des voyages, à l'aube, hors barrière, dans un quartier d'usine, au tournant d'un mur, une averse de charbon lancée par des mains invisibles, un tuyau qui fume en sanglotant, dans les faubourgs et les impasses où meuglent les sirènes, où les scieries se plaignent, où les pompiers sont surpris par un retour de flamme à l'heure où les riches dorment. Un soir, dans un bois, sous la foule attentive des feuilles qui regardent là-haut filtrer les étoiles, dans l'odeur des premiers matins et des cimetières, dans l'ombre où sont éteints les déjeuners sur l'herbe, où les insectes ont déserté les métiers, partout je cherchais à surprendre la vie, dans le signe d'intelligence du mystère, j'ai cherché. J'ai cherché l'introuvable. Ô vie, laisse-moi retomber. Lâche mes mains. Tu vois bien que ce n'est plus toi. C'est ton souvenir qui me soutient. Je me souviens avoir vu Léopold Fargue sur son lit de mort le lendemain même de son décès. Et Chériane, sa compagne, sa merveilleuse compagne, l'avait placé comme il est convenu qu'on place toujours les morts. Mais elle nous a avoué qu'elle l'avait trouvé ce matin-là couché sur le côté, comme il était souvent. Or, il expliquait toujours que chaque matin, il était dans cette position, un peu mal commode, un peu pénible, et que quand il voyait le jour arriver, il faisait un très gros effort pour se redresser légèrement et se replacer dans son lit en se disant « Allez, je repars pour une journée ». Et le matin où elle l'a trouvé, sans vie, elle s'est simplement dit, eh bien aujourd'hui, il n'a pas voulu faire cet effort.
Et quelle acuité d'essence! Il est capable d'entrer dans un œil de mouche. En posant la main sur le rail, il perçoit à 100 km le bruit de vaisselle de l'Orient Express. André Jacob, vous êtes journaliste et vous avez connu Farc dans les dernières années de sa vie. Vous lui avez même prêté votre plume. Comment se sont passées les premières rencontres? Notre première rencontre date de l'automne 39, parce qu'une de mes amies avait appris par l'éditeur de Noël que Farc cherchait une secrétaire ou mieux une collaboratrice. Et avait tout de suite pensé à moi, qui était à l'époque bibliothécaire, ce qui me laissait des loisirs. Alors, l'idée d'assurer le secrétariat épisodique d'un écrivain comme Farc, que j'admirais beaucoup, dont je possédais Vulture, Piéton de Paris, dont je lisais les articles dans Marianne et le Figaro, m'avait séduit et je lui ai tout de suite fixé un rendez-vous. Oui, c'est-à-dire que je lui ai téléphoné et il m'a fixé un rendez-vous. Alors, il m'a demandé de lui fournir des éléments de ses chroniques, où il ajouterait une ou deux de ses formules cocasses ou imprévues, dont il avait le secret, et qui était, si on peut dire, sa marque de fabrique. Car il était, à l'époque, très sollicité par les directeurs de journaux, qui lui demandaient très régulièrement des articles, des chroniques, sur des sujets dits parisiens. Cela ne l'intéressait pas du tout, et disait-il, il faisait perdre son temps, qu'il préférait consacrer à des œuvres plus sérieuses. Et à partir de là, je signais Léon-Paul Farc des articles pour l'encadrer de la Une du Figaro ou pour divers périodiques. Il se levait à 4 heures de l'après-midi, il prenait son bain et il circulait en peignoir de bain pendant des heures. Et il se parfumait et il se coiffait et se rasait des heures durant. C'était assez extraordinaire, ça. Et puis il commençait à s'apprêter, à s'habiller sur le coup de 6 ou 7 heures du soir, mais il était toujours admirablement bien habillé. Il avait des costumes très bien coupés, il portait avec sa rosette de commandeur de la Légion d'honneur toujours, il en était très fier. Le rêve de sa vie, s'il avait vécu, c'était d'être de l'Académie française, certainement. Il avait le goût des honneurs, mais le goût des honneurs, c'était pas pour lui. C'est à cause de sa naissance. C'était un enfant naturel. Reconnu, mais naturel. Ses parents n'avaient jamais été mariés. Et son père, qui était ingénieur, avait une famille très bourgeoise, qui habitait Paris et Bordeaux. Et Farc, qui était reçu partout, qui aimait, comme il disait, dîner chez l'habitant. Ce à quoi il tenait le plus, c'est à l'estime de ses vagues cousins. C'est pour eux qu'il aurait voulu l'Académie française, et qu'il était si content d'être commandeur. Il était très ami de Valérie et de Gide. Il me racontait souvent qu'il aimait beaucoup dîner en compagnie de Valérie et de Gide quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Et que Gide retardait toujours le moment de l'addition dans les restaurants, tant et si bien que Gide, qui avait beaucoup d'argent, faisait payer le dîner par ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire Valérie et Farc. Il avait le goût des contrepétris, bien sûr, mais il fallait être habitué. Il ne disait jamais un costume, il disait toujours un cosmut, une alutem, une totem. Il avait des rapprochements pour les gens, il les habillait d'un coup d'un seul. Madame de Maroquier était très belle, et qui avait servi beaucoup de modèle à son mari, qui avait un beau visage tragique. Elle était malheureusement affligée d'un tic, elle clignait des yeux sans arrêt. Et Farc disait, elle a l'air d'une statue de la place de la Concorde sous les intempéries. La bête à sa maman qui ne peut qu'il nous fasse cet homme qui me blanc.
Les femmes, on sent qu'il a toujours envie de leur briser les petits os. Et groupe du museau tire parce qu'il voit sur la crête découper les oiseaux tire un petit neuf, c'est pas qui me blanc, un petit potasson. C'est mon goré, c'est mon pourceau, mon petit potasson. Et un jour, on lui a amené un très bon camembert. Il l'a senti, il a fait les pieds de Dieu. c'est formidable. Ah, c'était un drôle de mec. Voilà, pardon. Alors voilà, monsieur et madame Marquet, Léon-Paul qui arrivent. Ah. Qui viennent vous parler pour votre manuscrit du Paris qu'ils ont eu, je crois, hier. C'est ça, chère madame? Oui, oui, nous l'avons eu hier. Nous n'avons pas eu le temps de le lire complètement. Nous l'avons à peine. J'ai lu les premières pages, à peine commencé. J'en suis restée au souvenir de Pesage de Longchamp. Oui, bah, j'ai mis les courses aussi. Oh, les courses, naturellement. Dans un bouquin sur Paris. Puis, l'imagination n'est pas illimitée, une fois. J'ai vu aussi que vous parliez des fiacres, des vieux fiacres. Oui. Et de leur aspect extraordinaire. Bah, j'ai été un usager des fiacres. Et puis un hommage au taxi que vous connaissez bien aussi. Pas mal. Je crois que nous sentons à peu près de la même façon. Oui, c'est sur ça. Le propos, oui. Sur la Seine, sur les canaux, sur les grues, les bennes, les fardiers, les métiers, les petits métiers des berges, l'entrée dans Paris et la sortie de Paris de la Seine, ça je crois que Marquet et moi, nous avons parlé souvent, nous sentions de la même façon. Vous vous rappelez, Marquet, un dessin qui présentait une femme en deuil. Ah oui. Qui lançait le pied. Philippe avait fait un article sur cette femme en deuil. Philippe a fait un article, oui, sur cette femme. Oui, et Marquet disait, pensait et disait que les femmes en deuil, que les veuves ont toujours des gros pieds. Je l'ai chez moi, je l'ai chez moi, c'est des sales femmes en deuil. Elle a l'air d'avoir des genoux gouttes. Elle est cassée en deux et elle renvoile derrière le dos. Elle lance en avant une locomotive, un ponton. Voici des jours que je n'ai pas relevé le couvercle de ma trappe. La musique muette du chagrin nasille au fond de la turbine. Le monde est arrivé à son état minuscule. Je tournoie dans une miniature. Le reste de l'énergie flanche. Et je me demande avec qui je ronronne dans mon enclos. Je suis si seul que déjà je me prends pour un autre. Le monde me quitte comme le sang de celui qui s'ouvre les veines dans une baignoire. Et le matin, lorsque je m'approche du miroir gélatineux de quelques chambres de palace, à cette heure où l'on se jure de tenir bon, je me vois dégradé, sans boutons, sans épaulettes. Des hommes et des femmes ont passé devant moi, qui m'ont arraché les sentiments, les tendresses, les bourrades amicales. Quel vent a donc soufflé sur ces galons qui fait tourbillonner de pauvres images? Aussi loin que je me revois dans la rue, aussi profondément je tremble dans le tintamarre d'un siècle mêlé aux passants, pendu aux parents, c'est-à-dire au début de ma pauvre fameuse existence du dehors, de cette existence dont on me parle tant quand on ne me la reproche pas, quoi donc. Un enfant, faubourg Saint-Honoré, tenu en laisse par sa mère. J'avais encore dans le nez, ce jour-là, l'odeur de teinture d'un tissu neuf. Je me devinais petite fille. Finalement, c'est l'image d'un mélancolique chronique, l'image d'un homme qui est maladivement attaché à un passé, à une enfance bon, à la fois heureuse et malheureuse, et qui est attaché peut-être surtout à une illusion de bonheur, à un bonheur qu'il a cru peut-être connaître dans l'enfance, mais qu'il n'a peut-être pas réellement connu, et qui en tout cas sans cesse se sent tiré en arrière, tiré vers cette sorte de gloire de l'enfance. Mais ce qui me paraît aussi important, c'est que sa poésie, justement, est très humaine.
et qu'elle est constamment en prise sur la réalité personnelle, sur le vécu individuel, sans que cela se traduise, bien entendu, par un étalage du moi, par une mise en avant de soi-même. Au contraire, il y a une retenue, une modération, une modestie très caractéristique, et l'aveu reste toujours suspendu comme sa phrase. Il aimait tellement la brasserie Lip que, paralysé, il s'est fait transporter un jour en voiture. Ce sont des amis qui... ambulance même, je crois. En ambulance, je crois. On l'avait amené en ambulance et on l'avait porté. Il était resté par une journée de très beau temps à la terrasse de Lip. C'était tout à fait dans son style. Mais paraît-il qu'il prenait régulièrement des ambulances, donc quand il était déjà très malade, vraiment à la fin de sa vie, et il faisait comme ça le tour son trajet habituel, des bistrots, Canal Saint-Martin. Des bistrots, c'est ça, qu'il aimait bien. Pour arriver. Ouais. Et puis c'était un homme qui d'ailleurs est assez fidèle à l'image qu'on a conservée de lui, c'est-à-dire c'était un flâneur et il savait perdre du temps. Et alors, en tout cas, s'il y en a un qui ne s'est pas occupé de sa célébrité, c'est lui. Voilà, oui, c'est ça. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup de gens ont gardé pour lui une immense tendresse et que ce soit l'occasion aujourd'hui de prouver la fidélité à cette tendresse qu'il méritait et dont il doutait de son vivant. Je dirais là que s'il avait été plus loin dans ce sens, dans ce mouvement, il aurait alors peut-être atteint une sorte de folie, à une sorte de manie qui est un peu le contre-pied de la mélancolie, n'est-ce pas ? Et c'est en effet sensible dans le thème, par exemple, du dédoublement, de la multiplication du moi qui apparaît dans les textes de cette période, avec ce besoin manifeste de transgression des limites, ce besoin d'échapper aux limites du moi, aux limites du corps, aux limites de la vie individuelle, n'est-ce pas ? C'est là qu'il a une vision de Paris qui est une vision quasi apocalyptique, avec le surgissement des époques disparues, des époques de la préhistoire, avec cette animation des monstres du muséum, etc., etc., avec la disparition des êtres, la disparition des rues, des immeubles, la disparition de la ville. Je crois qu'il y a là un besoin d'en finir et de trouver le dernier mot. De toutes parts, les fenêtres me regardaient et se regardaient. Des régiments de rues passaient, guidés silencieusement par le doigt ganté de fer d'une tour ou d'une église. D'autres pas que les miens courent vers des logis. D'autres vies que la mienne ploient sous les tonnes du dégoût. Vers quel point m'élancer pour laisser sur ce bout de trottoir pantelante, noyer au milieu de mon ombre, l'angoisse ? Mais je ne sors pas de mon histoire, je ne sors pas de mon cas, de mon petit cas. Je vois et je revois, sans en rassasier ma tristesse, des visages que j'aimais bien. Ils apparaissent à toutes les fenêtres, de jour et de nuit, dans chaque renfoncement de Paris. Ils s'accumulent chez le photographe, ils m'accueillent au cimetière.
Ils viennent jusqu'ici, dans cet endroit où je suis moi-même perdu, du fond d'une rue, et ils se postent. Il y en a un là, tout pâle et tout prêt, tendu comme un mendiant avec une barbe douce dans la lune, appuyé contre un arbre. Qui est-il et que me veut-il ? Je parle et j'écris pour tous ceux qui marchent comme moi, courbés dans leur vie. Ils s'arrêteront comme moi, ils se retourneront sur ces chemins, sur ces sentiments qui s'enrobent doucement dans la nuit. Ils songeront, ils tâcheront de comprendre et d'emboîter leur histoire dans l'immense jeu de patience mouvant de la vie terrestre. Et peut-être qu'un jour, peu à peu, quelqu'un, dans les siècles des siècles, arrivera à remonter patiemment par petites secousses intérieures, par infiltration, par viol feutré, à pas de loup, comme un chasseur exercé qui s'approche sans faire même le bruit d'une respiration imperceptible, à remonter jusqu'au début de la rafale qui nous a jetés sur la terre, à toucher timidement, mais à toucher enfin, l'écume de l'immense cataracte du départ. Qu'il se presse pourtant ce contre-homme, ce nouveau dieu, qui partira de l'abondance pour s'appauvrir petit à petit de science, d'alphabet, de chiffres, de sensations et de murmures. Qu'il se presse si nous courons à grandes enjambées vers le néant. La planète rasée, ne resterait-il plus rien de ces coins de sentiments ? Ne peut-il rester que le vide ? Le vide, cette tristesse mortelle, ce silence qui se renifle, l'orage emplissant le ciel, pompant sources et collines, horizons et labours. Le vide. Ah, poum, à bulle coucou.